tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2019. Je vous avoue que j'ai pas du tout été en mesure de m'organiser pour tourner de vidéos sur YouTube depuis le début de l'année. Donc pour toutes celles et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'en profite parce qu'on est encore dans les temps pour vous souhaiter une très belle année 2019 avec beaucoup d'amour et de santé parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important au monde. Alors, tout le monde sur YouTube a déjà fait sa vidéo All Mode Sold. Moi, j'arrive bien entendu à la fin, comme d'habitude, toujours en mode décalé. Je vous avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous souhaitiez quand même que je vous tourne cette vidéo dans la mesure où je vous ai montré. Je vous avais déjà montré pas mal d'articles sur Instagram. Vous m'avez toutes répondu oui. Donc, je m'exécute et je tourne cette vidéo aujourd'hui en sachant que j'intègre également certains articles qui ne sont pas soldés. Donc, je sais, j'arrive. Après la bataille, tout le monde a déjà fait sur YouTube. Moi, je suis toujours en mode décalé comme d'habitude. Petite information, si vous souhaitez connaître les articles à l'avance, que ce soit mes wishlists, ce que j'ai acheté, mes petites histoires, des envies du moment, etc. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram parce que vous serez au courant de tout bien avant YouTube puisque j'y suis de manière quotidienne. Si vous n'êtes pas également abonné à ma chaîne YouTube Maya M, n'hésitez pas à le faire et à activer également les notifications. Ça vous permettra comme ça d'être au courant de toutes les vidéos qui sortent à chaque fois. Alors, donc, je vais vous montrer des articles soldés et d'autres qui sont non soldés. Notamment, hier, un petit achat qui n'était pas prévu. Mais bon, voilà, je vous expliquerai les circonstances dans lesquelles cet achat a été effectué. Et puis, voilà, donc je vais vous présenter du Zara, du Bash, Golden Goose, Sandro, et on va démarrer de suite. Alors, on va commencer par cette blouse que je porte sur moi, que j'ai rachetée en double exemplaire. Oui, je rachète maintenant en double exemplaire. Alors, bien évidemment, quand les prix ne sont pas excessifs. Là, j'ai eu un véritable coup de foudre pour cette blouse qui est très oversize, comme vous le voyez, avec un col Mao que vous pouvez porter fermé ou ouverte. Avec ces petites manches qui se terminent plus bas dans le dos. Et vous portez ça au moment du printemps avec une jupe longue, un short, un jean. Et même en hiver, maintenant, à l'heure actuelle, vous mettez un pull par-dessus. Le rendu est vraiment très joli. Au niveau de la matière, donc on a 60% de lin et 40% de viscose. Elle n'est pas du tout transparente. Alors là, on a l'impression que oui, parce que j'ai beaucoup de luminosité derrière. Mais vraiment, vous mettez un soutien-gorge chair, on ne voit absolument pas la lingerie en dessous. Manche, chauve-souris, c'est tout ce que j'aime. Elle a une allure folle et en plus à l'heure actuelle elle est soldée à 9,99€ ou 90, enfin moins de 10€. Donc autant vous dire que bien entendu je l'ai rachetée en double exemplaire. Je suis fan de cette blouse. Toujours dans les articles soldés chez Zara, j'ai pris également ce t-shirt qui est noué, que je trouve ravissant, qui sera parfait également pour cet été. Bien évidemment, je ne vais pas le porter à l'heure actuelle vu les températures. Je l'ai pris donc en taille S parce que c'était la première. Au niveau du prix, je crois qu'il était à 9,60€. Un très joli décolleté et vous pouvez ajuster le nœud. Si vous le souhaitez, pour éviter d'avoir le côté ouvert au niveau du ventre. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai passé tout à l'heure. Il est vraiment très joli, ça aussi, ça se porte avec une robe, avec une jupe, pardon, un jean, un joli pantalon. C'est le genre de petit top passe-partout, vraiment, vraiment ravissant. Et au niveau de la matière également, on a du lin et un petit peu de viscose. Donc très bien soldé, donc à ce prix là j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne affaire également. Je continue encore avec cette blouse de chez Zara que j'ai vraiment trouvée ravissante.
parce que elle a ce petit côté fleuri, bien agréable, légèrement transparente, mais vraiment ça passe très très bien. Je vais me rapprocher de la caméra pour que vous puissiez bien voir les détails. J'ai trouvé que le coloris était très joli. C'est le genre de blouse qu'on peut porter aussi bien en hiver avec un blazer que en plein été. J'ai beaucoup aimé ces petits filets dorés. Le détail à ce niveau-là, et vous pouvez la porter ouverte ou fermée selon votre souhait. Voilà, elle est très très douce, très agréable, donc je l'ai pris en taille S. Je vous avoue qu'au niveau du prix, j'ai un doute, donc de toute manière, vous aurez toutes les références en barre d'infos. Voilà, c'est le genre de petite blouse, je trouve qu'il y a même un petit côté bâche, voilà, je la trouve très mignonne. Ce petit côté à la fois rétro et ce côté bohème qui m'a bien plu. Ensuite, je passe à cette blouse moutarde. Oui, cette blouse moutarde, je vous en ai parlé pas mal sur Instagram. Et je l'ai trouvée vraiment très jolie et je n'ai vraiment pas été déçue quand je l'ai reçue hier. Ce que j'aimais beaucoup, c'était voilà, le détail à ce niveau-là. Ce mélange en fait de noir et de moutarde qui sera ravissant pour le printemps, voire même maintenant avec un blazer noir. Par la suite avec un jean noir ou un jean un peu brut, je trouve que l'effet sera très très sympa. Très joli petit détail au niveau des manches, également sur les poignets. Au niveau de la matière, on a du coton. Et sur les broderies, de mémoire, c'est du viscose, donc très douce à porter, pas du tout transparente. Me concernant, j'ai pris une taille XS. J'ai l'étiquette. Donc au niveau du prix, initialement, elle était au prix de 39,95 €. J'essaie de parler un peu plus fort parce que ça y est, Cookies commence à ronfler. Donc je vais essayer de monter dans les gammes pour que vous n'entendiez pas du tout ces ronflements. Et elle est donc actuellement soldée au prix de 9,99 €. Voilà. Je passe ensuite à cette chemise sur laquelle j'ai véritablement craqué et je suis ravie. Alors vous savez que moi j'adore les carreaux, je trouve que c'est vraiment très très sympa. Cette chemise est absolument parfaite, la matière est très agréable. Alors je l'ai commandée en S, j'avais peur qu'elle ne soit pas assez loose en S parce que vous savez que moi j'aime bien un peu quand c'est oversize, porter des hauts oversize. En fait, la taille est parfaite en S. Alors celle-ci, je l'imagine très bien avec un jean blanc, une petite paire de bottines ou une paire de baskets ou avec un slim en cuir, un blazer, enfin ou sans blazer au moment du printemps. Voilà, des petits carreaux blancs avec du bleu, du rouge. Je vais pouvoir aussi la porter nouée comme j'aime. Et elle est actuellement soldée au prix de 9,99 € ou 9,90 €. Donc voilà, elle est parfaite. Pour le prix, franchement, si elle est toujours dispo, foncez. Parce que je trouve qu'elle est canonissime. Toujours chez Zara, j'ai fait ensuite le plein de t-shirts à inscription. Parce que vous savez que moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est très très sympa de porter des blazers parfois un peu stricts avec des t-shirts à inscription. Parce que je trouve que ça casse justement le style du blazer. Donc là, j'ai pris pas mal de t-shirts qui sont tous entre 3 et 4 euros. Donc j'ai pris d'abord celui-ci chez Zara, qui est au prix de 3 €. Alors, soyons très honnêtes, hein, ce ne sont pas des t-shirts qui vont durer toute une vie. Hein, mais voilà, après, je les recyclerai toujours pour dormir. Donc, celui-ci, je l'ai pris en taille M parce que j'avais peur quand j'ai regardé la photo du mannequin qu'il soit trop petit en taille S. Donc, je l'ai pris en taille M. Je trouve qu'il est très joli. Ça, par exemple, celui-ci, je trouve que ça ira très très bien avec un blazer à carreaux que j'ai de chez Zara que vous aimez beaucoup, ou alors avec un blazer léopard que j'ai, ou tout simplement un blazer noir.
je trouve que ça ira très très bien. De toute manière, je vais vous montrer avec le try-on. J'ai pris ensuite celui-ci. Alors d'habitude, c'est pas du tout le genre de coloris que je porte, mais j'ai flashé sur ce t-shirt. Alors je vous avoue, de manière générale, je suis pas spécialement une fan de bordeaux ni de moutarde, mais là j'ai trouvé que l'ensemble matchait vraiment bien, et en plus il a ce petit côté beige, parce qu'il y avait un t-shirt chez Beige qui me plaisait beaucoup, que je n'ai pas réussi à trouver. Voilà, donc je trouve qu'en plus l'imprimé, ce qui était écrit, était sympa, il y a même Miss, je trouve que c'était rigolo. Donc celui-ci, je l'ai pris en taille S, et il est actuellement soldé de mémoire au prix de 3 ou 4 euros. Ah, je continue avec ce t-shirt à imprimer kaki. Donc celui-ci, j'en suis fan. Je suis désolée, les t-shirts ne sont pas très bien repassés, voire pas repassés du tout, parce que je les ai reçus hier et j'ai pas du tout eu le temps de passer un petit coup de fer. Donc initialement, il était à 12,95 €, là il était soldé au prix de 9 euros, de 3 ou 4 euros, pardon. Et je l'ai pris en taille S, la taille est parfaite. Donc moi, je vous conseille de ne pas surtailler. La matière est très très agréable, et ça aussi, il ira très très bien avec un blazer kaki de Beige que j'aime énormément. Et ça, pareil, c'est le genre de petit short que vous mettez en toute occasion. Vous pouvez le mettre aussi avec une jupe, même voir une petite jupe à fleurs avec une paire de bottines, et je trouve que ça casse le look. Et je trouve que c'est, voilà, moi j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai fait vraiment le plein de t-shirts à imprimer cet hiver. Et je termine avec le dernier t-shirt de chez Zara, toujours dans la même gamme de prix. C'est celui-ci que je vous avais d'ailleurs déjà montré sur Instagram. Donc avec, pardon, il y avait l'étiquette devant, blanc, et avec les phrases écrites en marron. Au niveau de la taille, je crois que là j'ai pris du M. Oui, voilà, effectivement j'ai pris du M. Et donc il est soldé à l'heure actuelle au prix de 7 euros. Alors pas du tout, excusez-moi. Le prix initial était de 7,95 €, et là il était soldé à 3-4 €. Voilà, donc ça c'est vraiment les petits t-shirts basiques, mais qui vont avec plein de petits looks différents. Ce qui est très joli aussi, c'est quand vous mettez par exemple un t-shirt imprimé, vous rajoutez par-dessus une chemise en jean ou une surchemise, et je trouve que l'ensemble est vraiment très très sympa. Alors chez Zara, je continue avec un article qui n'est pas soldé, que je n'avais absolument pas prévu d'acheter. En fait, il se trouve qu'hier je suis allée chez Zara parce que je devais me faire rembourser des articles qui ne me plaisaient pas. Je rentre chez Zara, je ne vois pas du tout le manteau. Je me fais rembourser, je sors de la boutique, et là, qu'est-ce que je vois? Le manteau. Et là, je me dis, non, les manteaux effets poux de mouton, tu en avais 1000, donc tu t'en vas. Donc, je pars. Je vais chez H&M parce que je devais m'acheter des vêtements pour le sport. Et là, pendant que je suis chez H&M, mon obsession sur le manteau commence. Alors, je commence à me dire, ah, je vais peut-être aller le voir, ah, non, tu ne vas pas. Non, mais juste pour l'essayer, non, mais ça ne sert à rien d'essayer. Et bon, finalement, aucune volonté, et je suis retournée chez Zara après être allée chez H&M. Donc ça n'est que le 15e manteau effet peau de mouton que j'ai. Hein. C'est juste un de plus, mais non mais attendez, il est blanc, il est absolument sublime. Moi qui adore porter du blanc l'hiver, je ne pouvais pas passer à côté. Non mais vous allez me dire que oui, j'ai raison. Et voilà, je vous le présente. C'est donc celui-ci. Alors vous allez me dire, oui, il n'a rien d'exceptionnel, c'est encore un manteau effet poux de mouton, hein. Bah oui, mais je trouve que la coupe est absolument sublime. Alors j'ai bien fait l'essayer, parce que je vous avoue que j'ai failli partir à la caisse sans essayer le manteau, et heureusement j'ai essayé les deux en taille S et XS, et je l'ai pris en taille S, et heureusement, parce qu'en taille XS j'étais vraiment très trop serrée au niveau des épaules. Donc si vous avez des épaules, enfin on a toutes des épaules, mais je veux dire des épaules
plus ou moins importante, je vous conseille vraiment de surtailler le manteau parce que sinon vous allez être mal dedans et je trouve que le rendu sera beaucoup moins joli. Donc là je l'ai pris en taille S, il est parfait. Il a des poches, voilà, il est hyper chaud parce que chez H&M j'en avais essayé un mais qui n'était pas chaud du tout. J'aime beaucoup, voilà, le rendu. Derrière, il est comme ceci, une coupe 7/8. Ça, c'est le genre de manteau qui va avec tout. Vous portez avec un slim en cuir, une paire de baskets. J'adore ce genre de look avec un petit sweat, par exemple. Un jean. Vous pouvez faire par exemple aussi un total look noir et porter un manteau blanc ou porter du camel, du gris, enfin là, je trouve que ça passe extrêmement bien. Il est parfait, donc ça celui-ci il fait partie de la nouvelle collection, il n'est pas soldé. Mais vous me direz en commentaire que oui, c'était un cas de force majeure, j'étais obligée de le prendre. Donc voilà, il est là et j'en suis ravie. Et bien entendu, quand j'attendais à la caisse pour passer mon tour, je regardais un petit peu les écharpes comme ça et j'ai trouvé cette écharpe que je trouve vraiment très jolie en imprimé python. Alors qu'il n'y a pas du tout le côté un peu vulgaire qu'on peut parfois trouver dans le python. Elle est extrêmement douce. Elle ira d'ailleurs très très bien avec le manteau. Ça passe très bien aussi avec une paire de baskets, des jolies petites paires de bottines. L'écharpe est au prix de 19,99€, hein, donc c'est de dire en gros 20€. Et ça va aussi bien. Alors moi je trouve que ça sera plus joli avec un pull gris, un pull blanc, une petite chemise en jean plutôt qu'avec un pull noir personnellement. Moi c'est plutôt le rendu que je préfère. Et étant donné que je porte souvent des cols en V, etc., et qu'il fait très froid en ce moment, je trouve que c'est bien appréciable d'avoir une écharpe et je trouvais que celle-ci changeait des écharpes habituelles. Dernier article à vous présenter de chez Zara, c'est ce manteau, oui encore un manteau effet peau de mouton. Celui-ci à l'heure actuelle est soldé, donc vous avez deux types de manteaux comme ça chez Zara, un en couleur camel qui n'est pas soldé, qui est bien évidemment toujours dispo sur le site, et celui-ci couleur cendré, qui va aussi bien avec du noir, du bleu marine, enfin bon, ça va avec toutes les couleurs. Il est extrêmement bien coupé. Vous avez des poches. Moi, je l'ai volontairement surtaillé en S. En général, les manteaux chez Zara, je les prends en XS. Ça me convient parfaitement. Mais pour ce manteau-là, je prends une taille au-dessus parce que je peux le porter au moins avec des blazers ou avec un gros pull. On est beaucoup mieux dedans et je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Voilà, donc il est 7/8, ça aussi ça va avec tout, il tient très très chaud, donc énorme coup de cœur pour ce manteau de chez Zara. Ensuite je passe à Bâche et alors vous savez que je suis une inconditionnelle de la marque Bâche. Je vous avais déjà présenté la chemise Axel en blanc. Et là, alors ça, je ne l'ai pas acheté, hein, c'est un cadeau de Noël. J'ai reçu notamment, mais là, je ne voulais pas vous faire une vidéo spéciale cadeau de Noël, vous montrer mes cadeaux de Noël, parce que je trouve que c'est un peu... je n'ai pas l'intérêt de vous montrer mes cadeaux de Noël, mais étant donné que je faisais un haul mode, je me suis dit que c'était sympa de vous montrer certains articles qui viennent de chez Bâche, que j'ai reçu en cadeau Noël et qui sont à l'heure actuelle soldés. Et donc préciser que bien évidemment j'avais fait une ma wishlist pour Papa Noël, donc notamment cette chemise, donc c'est la chemise Axel que j'ai déjà en blanc. Donc ça c'est le genre de chemise que j'affectionne tout particulièrement. Si elle existe en noir, je la prendrai également en noir. Bon, les détails sont parfaits, vous pouvez la porter boutonnée ou bien ouverte. Vous avez des jolis petits boutons nacrés. Les détails sont parfaits au niveau des poignets. Pareil, regardez au niveau des coupures, au niveau du dos. La jolie finition au niveau du col. Voilà, ça c'est le genre de chemise, si vous voulez, dont vous ne vous lasserez pas, pardon. C'est pas spécialement une chemise de la tendance actuelle, c'est vraiment le genre de chemise intemporelle que vous allez pouvoir garder des années. Le bleu est parfait.
La coupe est nickel. Moi, alors, il faut savoir que chez Zara, chez Bache, je prends toujours une taille 0 pour tout. Donc, que ce soit les blazers, les robes, les tops. Je ne surtaille jamais. En général, chez Bache, on n'a jamais besoin de surtailler. Parce que si vous voyez sur, par exemple, la photo du site que la coupe est déjà oversize, c'est pas la peine de surtailler. Donc là, pour cette chemise, j'ai donc une taille 0. Et comment vous dire, je suis fan de cette chemise qui sera très jolie aussi avec une jupe longue, avec un jean, avec un short pour cet été. Enfin bon, bref, énorme coup de cœur pour cette chemise. Donc c'est le modèle Axel de chez Bache. Alors je passe ensuite à ce blazer. Je vais m'avancer pour que vous puissiez mieux le voir parce que j'ai beaucoup de luminosité derrière. C'est le modèle Boy de chez Bache qui est actuellement soldé à moins 50% de mémoire sur le site. Donc voilà, c'est vraiment, je casse tout devant. Le blazer intemporel que vous allez garder pendant des années, qui descend bien bas au niveau des fesses. La coupe est absolument parfaite. Au niveau des épaules, des épaulettes, les épaulettes ne sont pas trop prononcées. Il a une coupe vraiment que vous pouvez porter aussi bien de manière habillée que plus sportswear avec une paire de baskets et un slim en cuir par exemple. Il est parfait. Voilà, j'ai vraiment trouvé le blazer noir dont je rêvais depuis des années. Et je ne peux que vous le recommander. Je vous en ai parlé je ne sais pas combien de fois sur Instagram. Je trouve qu'il va aussi bien avec un petit haut en soie. Il ira parfaitement aussi avec un t-shirt, avec un petit imprimé. Voilà, il passe avec tous les styles. Il est vraiment très très confortable. Seul petit problème, c'est qu'il prend la poussière. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est normal, c'est la couleur noire. En plus, moi, j'ai une chienne qui me met des poils de partout. Hein, donc forcément, je passe mon temps à passer le rouleau dessus. Mais c'est de toute manière, c'est pour tous les vêtements. La matière est parfaite. Voilà, je ne peux que vous recommander ce blazer. Vous regardez aussi également au niveau des boutons sur les poignets. Ça, c'est le genre de blazer, si vous voulez, qui coûte un peu cher au début, mais que vous allez rentabiliser pendant des années. Toujours chez Bache, donc là, je vous présente un autre modèle de blazer qui est à l'heure actuelle également soldé en couleur kaki. Alors c'est le modèle Telly, ça n'est pas la même forme. J'ai pris une taille 0 pour le boy et une taille 0 également pour le Telly. Là on est sur une coupe un peu plus classique avec des épaulettes un peu plus prononcées. Il fait plus habillé entre guillemets. Le tissu est impeccable, la coupe parfaite. Ça aussi, c'est le genre de blazer intemporel que vous garderez pendant des années. Il descend en dessous des fesses. Et moi, c'est ce que j'aime parce que j'ai remarqué qu'en fait, les blazers maintenant qui arrivent au niveau des hanches, j'aimais plus ça parce que je trouve que ça coupe la silhouette. Alors que lorsque vous avez un blazer qui descend bien en bas des fesses, ça vous affine la silhouette. Et je trouve que vous pouvez le mettre avec beaucoup plus de choses. Donc ça notamment, j'ai une jolie jupe de chez Bache, je trouve que ça ira très très bien aussi avec une paire de bottines, ça je l'ai déjà mis plusieurs fois, et avec un t-shirt imprimé aussi en dessous, c'est ravissant. Donc énorme coup de cœur. Alors c'est vrai que ce que je fais moi de manière générale chez Bache, c'est que dans l'année, ils font beaucoup de ventes privées et même parfois des outlets. Donc en général, ce que je fais, c'est que lorsqu'un article Bache me plaît, j'attends toujours les ventes privées ou les soldes pour m'acheter vraiment des pièces qui me font envie. Et parce que je sais que je vais les garder des années, que la qualité la plupart du temps est impeccable et je ne m'en lasse pas. Ensuite, vous savez que je suis une grande fan de basket, que mes marques préférées sont notamment les Golden Goose et les Philippe Model.
J'ai réussi à trouver une paire de baskets sur, je crois que c'était Net-à-Porter des Golden Goose, sur lesquelles je faisais une obsession. Ce sont celles-ci. Je trouve qu'elles sont absolument parfaites pour l'hiver. Alors là, quand vous voyez le côté ici, c'est pas que je les ai abîmées, c'est le style, hein, si vous voulez. C'est comme ça. Vous achetez les baskets, ils sont déjà un petit peu abîmés, entre guillemets, c'est le style des Golden Goose. Alors, comme en ce moment il fait assez froid et que j'avoue que j'ai du mal un petit peu à avoir le petit bout de peau entre le jean et les baskets non montantes, j'ai toujours un petit peu froid. Donc en ce moment j'apprécie vraiment ce genre de modèle. Sur le site, elles n'étaient plus en 38, donc je les ai prises en 39 et je me suis dit bon, je vais être obligée de les renvoyer, elles ne m'iront pas. Et j'ai acheté une semelle. Et elles me vont parfaitement, donc j'en suis vraiment ravie. Et ça aussi, pareil, je les porte par exemple avec le blazer boy de chez Bache, avec un jean, avec un slim. J'ai même vu sur Net-à-Porter le rendu, j'ai trouvé vraiment c'est très très joli en photo, avec une jupe longue, je trouve que ça peut être très très sympa. Bon, ça, les Golden Goose, ce sont des baskets que vous gardez pendant des années. Moi, j'ai des paires de Golden Goose qui datent d'il y a 3-4 ans, qui ne bougent pas. Donc, la qualité est vraiment formidable. Dernier article à vous présenter en solde et ensuite, je passerai aux bijoux. Ce sont cette paire de bottines qui viennent de chez Sandro, qui sont soldées à l'heure actuelle à moins 50%. Alors, de cette marque, j'ai déjà les bottines de chez Sandro en noir, en camel, en léopard. Et l'année dernière, ils les avaient sortis en bordeaux, mais en bordeaux, je n'y mets pas. Et cette année, ils les ont sortis en rouge carmin. Donc, ce sont des bottines qui sont extrêmement confortables au niveau du talon. Vous pouvez trotter avec toute la journée. Et j'ai trouvé que cette couleur pour l'hiver donnait du peps aux tenues, notamment avec la blouse que je vous ai présentée tout à l'heure ou avec la chemise en carreau à carreaux de chez Zara et un petit jean. Je trouve que ça fait vraiment un rendu très très sympa. Bon, elles tiennent extrêmement bien parce que moi j'ai déjà d'autres paires. Alors elles ont ce côté aussi indémodable entre guillemets qu'on garde avec plaisir chaque année. Elles passent aussi bien avec des jeans, des pantalons que des jupes longues. Donc voilà, si vous ne les connaissez pas, allez faire un tour sur le site de Sandro ou allez les essayer en magasin parce que vous verrez, vous serez vraiment conquise. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer trois bijoux. Donc le premier que j'ai acheté en solde, que je vais me rapprocher pour que vous puissiez mieux le voir, c'est de la marque Ipanamea, si je ne me trompe pas, qui a un très joli ras de cou et en fait qui a la double particularité de pouvoir se porter soit en collier, soit en bracelet. Bon, moi je vous avoue que j'ai les poignets qui sont beaucoup trop fins, donc... Bonjour cookies, donc je ne vais pas le porter en bracelet et bah non, en fait elle en a marre, ça l'intéresse pas de rester. Et donc je le porte uniquement en ras de cou. Il était soldé donc je ne me souviens plus du prix, mais de toute manière je vous mettrai les références en barre d'infos. Donc excusez-moi, il me lèche en même temps. Donc je vais m'en rapprocher pour que vous puissiez mieux le voir. Donc je trouve qu'il est vraiment très joli. Deuxième collier dont je suis extrêmement fan, c'est ce collier avec une clé qui vient de chez Eva Bijoux. Donc en fait, auparavant j'avais acheté sur le site d'Eva B ce pendentif M que j'adorais, que vous trouvez en plusieurs lettres. Je le trouvais vraiment très très beau, donc je vous l'avais montré sur Instagram en mentionnant en fait la boutique, parce que j'avais adoré toutes les créations que présente Eva. Et très gentiment, elle m'a envoyé ce collier clé. Donc elle n'était absolument pas obligée de le faire. Elle me l'a envoyé et je vous avoue qu'elle a su vraiment capter mes goûts et ce que j'aimais, parce que j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce collier clé. Voilà, je trouve qu'il vous habille une tenue, vous mettez ça avec un petit t-shirt en V, ce collier.
Et il est vraiment très très beau, donc bien évidemment, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos commentaires sous la vidéo. Dites-moi si vous avez fait des affaires pendant les soldes, quels sont les articles que vous avez préférés dans la vidéo. Voilà, j'attends vos commentaires avec grand plaisir, comme à chaque fois. En attendant, on se retrouve sur Instagram. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, ce sera une vidéo cuisine, je pense. Voilà, je vous en dis pas plus. Et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.